Mais bonjour les amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur GPS 4 sur et nous avons donc la Corée du Nord. Donc je fais un bref résumé de ce qui s'est passé. On a un déficit donc de moins 4%. Aïe aïe aïe, c'est pas fameux, ça je vous l'accorde, c'est vrai. Alors j'ai vu qu'on avait fait autant de taxes qu'il y en a. Donc, je voudrais bien faire peut-être la taxe professionnelle parce que j'ai vu qu'apparemment que ça fonctionnait super bien. Sauf que là, ça ne veut pas. Ça ne veut pas aller. Donc, on va essayer de faire un 1,50 peut-être. Avec du Parlement et c'est réussi. On va déjà faire ça, on verra bien ce que ça donnera. Alors, la création ici, on verra bien ce qu'il y a. Je suis à 80%. On va déclarer, déclarer la guerre à la Corée du Sud. Donc, pourquoi? Parce que, voilà, c'est nos ennemis et j'avais envie de faire cette fichue guerre. Sauf que, c'est à voir si je vais la faire ou pas la faire. Hein. Donc, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, en fait, j'ai pas très envie de tenter le diable. Alors, on va pas faire. Voilà. Alors, ce que je voudrais bien, c'est que il n'attaque pas. S'il attaque là, on sera parti. Si, il a attaqué. S'il a attaqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, j'ai vu que il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui faisaient comme ceci. Regardez. Voilà, comme ceci. Et qui faisaient donc, par exemple, attaquer. Toi, tu vas attaquer ceci. Nous allons procéder. Voilà. Mais ça, voilà, ça devait attaquer comme ça. Alors, j'ai vu que le pognon est de ce côté-là. Donc, on va envoyer. À Séoul, pardon, ce qui est un pognon, à Séoul. Donc on va aller envoyer tout ça ici, voilà. Plus nos amis 638 000, on va les envoyer aussi à Séoul. Et alors, nous allons envoyer quoi? Donc, eux, ils seront sûrement pris, malheureusement. On va envoyer un croiseur qui va peut-être pouvoir faire péter certaines choses. Lui, par exemple, notre croiseur, il y en a... On va faire un à gauche, un à droite. Voilà. Donc on va essayer de faire péter comme on peut. Parce que voilà, oui, c'est vrai que j'avais dit que je voulais pas trop faire. Et que pour finir, voilà, on est parti contre la guéguerre. Alors on va être parti ici. Les commandos, ça ne sert à rien parce que j'en ai pas eu beaucoup. Donc ça me servira à rien. Et là, j'ai 187 000 hommes qu'on va se mettre ici. Et ceux qui sont ici, on va les mettre à Pyongyang, comme ça au moins on est sûr et certain qu'on se fera pas prendre. C'est notre but quand même, c'est de ne pas que voilà qu'on se fasse pas prendre non plus. Alors, on va faire péter les bases comme on peut. On pète toutes les bases. Sauf que j'ai pas beaucoup d'hélicoptères. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais y en a pas énorme. Alors, croiseur. Toi, tu vas sortir. Croiseur. Toi, tu vas sortir. Tu vas aller me péter celui qui est par là. Et toi, le croiseur qui se trouve ici, tu vas me faire péter celui-là. Et toi, le croiseur qui se trouve ici, tu vas me faire péter ce qui est là. Ouais, on a une crise. On aura la crise économique. Oui, je sais très bien qu'on a une crise économique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir tous les contrats qu'on a déjà effectués. Voilà, comme je vois, apparemment, on a du riz. Les bananes, on n'a pas encore fait, mais on ira voir. Alors, on va essayer de faire tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pense que
Tout est parti. Oui, tout est parti. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Pas mal fait. Alors, les lance-missiles, on va en avoir besoin, ça c'est certain. Ce serait bien quand même de les mettre. Là, un autre lance-missile qu'on va le mettre ici. Et c'est parti. On va faire tout péter. Voilà ce qu'on va faire. On va faire tout péter. On essaye de, voilà, que tout fonctionne bien, à merveille. Par contre, ouais, c'est bien que de toute façon, tout va péter, que... Voilà, hein, donc pendant que tout est en train de se faire, nous, pendant ce temps-là, ben voilà, on est là, hein, en monde yes, 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 on va y arriver. Pourquoi pas aussi envoyer des tanks? On pourrait peut-être envoyer des tanks là. Ce serait pas mal d'envoyer des tanks. Non, ça, hop. On va même envoyer des tanks. Des tanks sur cible. Hop, on y va. Des tanks, j'en ai besoin. J'en ai vachement besoin, j'ai vraiment envie de faire cette petite guéguerre, voilà. C'est chouette quoi. Et on y va. Alors, je pense que ils ont pas beaucoup envie d'attaquer. Non, alors toi, tu vas aller plutôt attaquer celui qui est là. Alors, chasseur, toi, tu vas me péter ça. Ou non, 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 non. Ok, c'est pas grave. C'est pas en fait ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Le but aussi étant de que on veut pas non plus qu'ils nous abattent. Parce que là, c'est très compliqué. Ça va être fort compliqué, mais il y a moyen qu'on y arrive. Les forces armées de ce pays contre-attaquent violemment. Nous devons nous montrer plus agressifs que... Ces T'inquiète. forces armées de ce pays contre-attaquent. Les forces armées de ce pays contre-attaquent violemment. Nous devons nous montrer plus agressifs qu'eux pour garder l'initiative. Vas-y, vas-y. Nous avons de fortes présomptions que cet organe... Alors, on va faire comme ceci. On va voir. En tout cas, on est bien parti. C'est super. On commence à super bien attaquer. C'est où le est attaqué. C'est super. Ceux-ci sont par là. Ok. Là, ils sont cool. Là aussi. Tout le monde est en train de bien travailler. C'est bien, c'est bien. C'est très bien même. Le décret entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Parfait, super. Super, parce qu'en plus il nous fallait bien il nous fallait un tout petit peu plus remonter. Alors on va voir pour voir s'il n'y a pas moyen de faire à 14,70 peut-être. Voir parce que voilà, il faut absolument remonter.
Là, c'est bon, c'est fait. Alors, il faudra voir. Ok. Bon, donc là, pour le moment, ben, on est bien parti. Voilà, on attaque. Comme vous le pouvez voir, ben, on attaque tout, hein. Là, on a eu un petit peu plus de mal. Alors, chasseur, tu vas me liquider celui-là. Alors toi. Alors j'essaye, hein. J'essaie de voir ce qu'il faut que je fasse. C'est pas facile, hein. Donc voilà, quand on commence à débuter une guerre, ben, c'est jamais facile. Donc voilà, donc les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez bien adoré cette vidéo. Mettez un j'aime si vous aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, les amis. C'est très important, surtout pour les notifications. Quand je suis donc en live ou quand je mets donc des vidéos, car maintenant voilà, je fais des enregistrements donc et ça sera donc des fois ben, je ferai par exemple des lives sur certains jeux comme ça, comme par exemple OMC2. Je vais peut-être faire un live et chat en direct. Donc voilà, donc merci de m'avoir suivi, c'était donc Titi à l'antenne. On se retrouve donc très bientôt pour la prochaine vidéo sur la Corée du Nord. Donc je vous remercie.